Oh là les gens, saute mouche, nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour sur... Alors je sais pas si c'est un petit jeu ou un let's play, je n'en sais rien, je dis pas de bêtises. On est sur Portal Stories Mail. C'est un jeu fan game de Portal, Portal 2, hein, que vous pouvez retrouver sur Steam. Il est tout à fait gratuit, hein, si vous avez le jeu bien sûr, Portal 2. Si vous l'avez pas, bah vous devez acheter Portal 2 pour le jouer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je n'en sais rien de plus. Hein, je démarre ce jeu, je sais pas qu'est-ce qu'il va nous dire. Il y a 5 chapitres, alors ce sera un let's play. 1952. Ah bah c'est parti. Je suis sur le jeu là? Non? Ah non, c'est chargé. Je sais pas, l'écran il était bien. Bien sûr, s'il y a des cinématiques, je ne parle pas. Parce que je sais pas s'il y a des cinématiques. Bon, aussi, au pire, je coupe le micro. En attendant, je parle. Parce que là, c'est le chargement qui dure long. Ça veut dire qu'il va charger beaucoup de choses. Oh, le laboratoire. Depuis dehors. Mais c'est une nouveauté. Oh, ça, c'est bien. Oh, Aperture Science Innovator Est 1947. Si on commence de dehors, je vais aimer. Parce que on n'a jamais vu le dehors de... Oui, on a vu le dehors, oui, mais c'était un fake. Ouais, vous vous rappelez sur... Ah, moi, je me rappelle plus, mais j'avais fait déjà sur un fun game... ouais, un DLC de Portal 2, je veux dire. Désolé. Ou peut-être ça c'est un DLC. Ouais, je pense que c'est un DLC en fait, ce portal. Je sais pas. je dis peut-être des bêtises. Voilà. C'est quand vous voulez. Ah mince, il y a un truc écrit en bas. En fait, le truc c'est que j'ai le jeu environ pas très grand. Mince. Attendez, je vais arranger ça dès qu'on va arriver sur le jeu. Ah. Je peux pas quitter le jeu. Tant pis, je peux pas me couper le micro. Chapitre 1, 1952. Ouais, attendez. La vidéo, attendez. Attention. Ah, ah, ah. Ça bug. Qu'est-ce que ça rend? Regarde sur la capture. Ah bah, ok, j'ai réussi à cracher le jeu. Anti-mouche. Bon, on se retrouve tout de suite. Ah non, ça va. Bon, voilà. Ça a été fait par Prince Studio, hein, comme ça, vous le savez. non, ah oui, on va. Bon, on se retrouve juste quand on s'est arrêté. Ah, normalement, ça remarche. Normalement. Oui, c'est bon. C'est bon, on se retrouve, les gens. C'est bon, vous inquiétez pas. J'ai repris le contrôle. Et en plus, vous avez l'écran en plein écran. C'est génial. Et il n'y a pas des bordures. C'est... Jacob Anders. Ah ouais, ok, c'est... C'est on? Yeah, ok. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson. Cave Johnson! I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you. So take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life. Even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. En fait, il y a un truc que je viens de réaliser. Est-ce qu'il y a des sous-titres? Est-ce qu'il y a des sous-titres, s'il vous plaît? And you know what? That dreaming... Oh yeah! Ok, là j'ai oublié de mettre des sous-titres, désolé. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Okay, so... This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but... That doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be... Aperture Science Innovators. Ah, le corbeau! Il est de retour! We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime.
You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages. Bah, en fait, le truc, c'est que je peux parler parce qu'il y a des sous-titres. Alors. Non, en fait, je vais pas parler. Mais si, en fait. Ouais, je vais vous parler. Alors, si vous me souvenez bien, Portal 2 était ma première série, la vraie série. Ça veut dire que je l'ai terminée, voilà. Et le jeu, je l'ai bien filmé, hein, d'ailleurs, Portal 2, mais c'était juste que j'avais filmé avec la capture que je me rappelle plus, maintenant qu'il était de la même. Et franchement, c'était un bon let's play, hein, c'était vraiment, c'était le seul let's play que j'avais terminé, d'ailleurs. Oh, ils sont à la cuisine! Oh, mais c'est quoi ça? Toi? Franchement, je vous invite à aller voir ma série sur Portal 2. Bon, même si c'est de la merde, je vous conseille, hein, pour suivre l'histoire quand même. Ah bah tiens, on retrouve cet écran. D'ailleurs, c'était l'écran qu'on avait vu quand on était dans les souterrains dans Portal 2. D'ailleurs. Ah, franchement. Ah, franchement, c'était mon premier let's play que j'avais terminé, hein, parce que le premier let's play que j'avais fait, c'était Super Smash Bros. Brawl, mais comment dire, il a pris du retard et en même temps il est mal filmé, encore plus que Portal 2. Mais maintenant on a du nouveau. Et ouais, Antimo s'est renouvelé. Enfin, je pense qu'on peut le dire comme ça, non? Et en plus, je suis content qu'on retrouve Kate Johnson quand même. C'était le directeur de Aperture, bien sûr. Aperture Science. Allez! Oui! Oui! Je peux sauter! Ah oui, le jet pour sauter. Ok, c'est quoi ça? Non. J'ai pas envie d'être un sujet de test, en fait. As I said before, there's a lot we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain. Up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry though, we haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Maybe that 3 minutes. Ah, j'espère qu'on va retrouver l'assistance ouais, de Kate Johnson, que je me rappelle plus son nom, mais j'ai pas envie de vous spoiler, en fait. Ceux qui n'ont pas encore vu Portal 2, hein, j'ai pas envie de vous spoiler. Oh oui, le dos. Oh oui. Welcome to Aperture. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. J'ai envie de faire du toboggan. Non mais attendez, mais c'est nouveau. On peut voir le dehors, le vrai, l'unique dehors. Oh mon dieu, mais c'est un rêve. C'est un rêve réalisé de Portal 2. Oh mon dieu, c'était nouveau. Oh oui, les voitures. Oh, c'est tellement l'ancienne. Oh, c'est quoi ça? Un mot. Ah, ok. C'est un hôtel. Cette poubelle a l'air bien éclairée. Y'a rien. Non mais je regarde partout parce que c'est inédit, quoi. On voit le dehors de l'Aperture. Oh, on voit l'entreprise en plus. Mais oh, c'est un rêve. Pff, ok, je fais du point net. C'était ma souris qui a bugué, c'est pas moi. Oh, regardez-moi tout ça. Oh. Bon. J'espère que
Ah, quand même, j'aimerais trouver quelques secrets. Ah, mais il n'y a personne. Avant, on voyait des gens. Et là, il n'y a personne qui garde. Ah, bah, il n'y a personne qui garde, c'est quoi ? Du coup, ce bordel. De toute façon, ils sont obligés d'avoir des hôtels dans les environs. Parce que, voilà, pour les y loger, hein, les testeurs de Aperture. Bonjour. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. that's not good. Just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. Regardons un peu les magazines. Science and technology. Oh! Salut. Je vous rappelle que lui, c'est Kate Johnson. C'est lui. Ah, il est beau, hein. Hein, il était classe avant. What? Ok, j'aurais dit que c'était Hitler, mais pas du tout. Oula, attendez. Attendez, je veux passer. Je prends mon ticket et j'y vais. Bonjour. Je peux pas ouvrir. Oh, c'est elle. Caroline, voilà, c'est elle. Oui, oui, oui. Elle est là, c'est elle. Elle est là, l'assistance de Ken Johnson. Elle est là. Oh, oh non, on peut pas prendre le café. Oh. Oula, on peut en fait, on peut environ aller partout. Je peux pas décrocher au téléphone, mais c'est pas grave. J'aime cliquer partout. Ah c'est tellement beau. Oh c'est bon, nouveau let's play, nouvelle découverte. Oh Thibaut, je suis content. Ah bah je peux rien faire ici. C'est bizarre. Ça sent le secret. Non. Non, rien. Oh. Ok. Oula. Alors ça, c'est un truc à te faire péter le... à te faire péter le cerveau. Ceci est le futur. Ah, déjà, quand même, avant, ils avaient déjà pensé au futur comme ça. Bon, d'ailleurs, ouais, ben, les anciennes séries, c'était environ que ça, hein, comme Star Trek, hein. Astronautes, voir. Wow. Ouais, combat les héros olympiens. Oh. C'est beau. Signé aujourd'hui. Eh non. Qu'est-ce que c'est? Une copie, d'accord. Lequel entrepreneur paye. Okay. Le futur est ici. Et c'est sous le. C'est sous la. Sous la terre, dit Science Maverick. J'aime regarder ces genres de easter eggs. Aperture Cola, Répulsion Soda, Speedy Gersapir, ok, Caffeinated Decaf, Citranium Soda. Oula, ça a pas l'air bon. Il y a un easter egg, j'en suis sûr. Dites-moi qu'il y a un easter egg. Non, il n'y a rien. Attendez, on va aller ici. Non. Non, il n'y a rien. Ok, ici. On peut appuyer sur les trucs pour avoir du tch. So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. If the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counter said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs.
Seriously, the stairs aren't ready, so ready to get on that stupid elevator. Ouh, je crois que c'est ici. Attendez, je vais monter. Non. Attendez. Je suis sûr qu'il y a un easter egg avec ça. Je découvre, hein, j'en sais rien. Non. Non. Ouais, ça me fait penser à un succès quand on devait appuyer sur des boutons pour avoir un succès particulier. Ah, là on peut rien se faire appuyer. Non, c'est mince. Ah, l'ascenseur. C'est ici que l'aventure va commencer. Ouais, attendez. Avant de réfléchir sur des trucs, j'ai envie de découvrir plus de trucs. Non, il n'y a rien d'autre. Ok, on va dans l'ascenseur. Voilà, l'ascenseur. Vous êtes ici. D'accord. Allez. Ouvre-moi les portes de ma destinée. Ah, je sens que je vais adorer ce let's play. Je sais pas pour vous. Ah, je me soulage sur ce jeu. Ah, ça m'avait manqué Portal 2, franchement. Ce jeu, il était extra. Mais c'est environ grâce à Portal 2 que j'ai pu aller sur YouTube, etc., rencontrer des amis sur Steam. Enfin, c'est Portal 2 qui m'a fait découvrir Steam, aussi Steam YouTube. Non, ouais, la passion pour faire des vidéos, plutôt. Ah, franchement, c'est une grande histoire avec Portal 2, franchement. Ah, ah, ok, un chargement, juste pour te dire, t'as dû attendre pour que ça descende. When the bean counters told me not to buy a salt mine with all this science, the first thing they said was, no, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that the test can happen. Le futur de demain commence aujourd'hui. Ok. Thanks to the old calculator between the ears and a generous helping of the you're fired stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Ok, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to, and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys kiss my... The bean counters cry like babies when they saw the cost of these things. But they went... En fait, ceux qui n'ont pas compris, je suis en train de lire. Hein. I make the decisions around here. I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months. So, you'll be participating in one of our smaller tests. The Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. Ah, cette ambiance. Oh, oh, regardez-moi ça. Il prépare quelque chose. Je ne sais pas, je vois quelqu'un, je me dis, tiens, c'est il est bizarre, cette personne. Ah, regardez-moi cette ambiance. Oh, la gelée bleue. Oh, oh, c'est juste fou. Ah, c'est juste fou pour moi. Oh, oh, ah. C'est plaisir simulateur. Non mais je dis ça parce que oh, ah, ça fait plaisir. This test should be real easy for you though. Just get inside one of the Aperture Science Innovators short-term relaxation vaults and lie in bed. You'll feel yourself. Ouais, la salle de relaxation, ouais ouais. You'll only be on for a few minutes, an hour at most if something goes wrong. Don't worry, we even have everything under control. You'll be making science and you won't have to do a thing. Qui est le vainqueur ici? Eh ben c'est toi.
Eh oui, c'est moi. Eh ben oui. Eh ben oui, je suis trop fort pour toi. C'est pas très sécurité des fenêtres sans fenêtres. Waouh! Ah non, je peux pas sauter. Ils ont tout prévu. Ah! Bonjour. Ah! Ah! On est arrivé! On peut bouger! Ouais, bah surtout, on a droit à un chargement. Ah! Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Parce que, quand même, cette intro dure un peu trop long à mon goût. Ah, quand même, vous allez. Bon, comme ça, vous avez un petit aperçu de ce qui peut nous réserver, hein. Si vous voulez suivre ce let's play ou pas, c'est à vous de voir. Ah, moi, je vais me faire plaisir. Hein. Même si je vais galérer sur des tests, mais ça j'en suis sûr, je vais aimer ça. Oula, c'est quoi ce souterrain? Y'a quelqu'un dans la voiture! Ouvre! Ouvre! Je sais que tu es là! Arrête de m'éclairer! Ouais, ne dormez pas trop longtemps. Ah, alors on va aller dormir! C'est quoi ce lac? Ok! Alors c'est ici qu'on va se baigner! Je teste. Ok. Testez l'eau. ouais. Je voulais voir si j'arrivais à mourir dedans. Eh ben la réponse est oui. Bon, on finit. Oui, c'est bon. Oui, j'ai compris. Je suis mort dans l'eau. Oui, j'ai compris ma déception. Attends, c'est moi? Ah non. Je pensais que les lumières s'éteignaient. Non. Ah bah voilà, là ils disent que maintenant qu'il fallait pas nager, hein. Ils disent que maintenant. Hier, j'ai vu un cerf. Bah là, GLaDOS, là, avant GLaDOS pouvait dire qu'elle avait vu un cerf, parce que on a vu le dehors, on a vu qu'il y avait un dehors, mais il n'y avait pas trop d'animaux autour. Alors je sais pas comment elle a pu voir un cerf. Oui, il est là. Game Johnson. Je suis Game Johnson. Eh ben, y a personne. Je dois monter à mon étage tout seul. Ok. C'est ici qu'il y a des gens qui travaillent et qui téléphonent. Ils ont même le droit de téléphoner. Ils ont même le droit de renverser une chaise. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce jeu? Oula. Alors déjà, le gars qui a... Ok. Il y a un qui a eu marre de son travail, il a jeté son truc. Alors, moi, je suis... Alors, attendez. Alors, oui. Alors, moi, je suis le chef. C'est moi qui commande ici. Toi, remets ta chaise comme il faut. Toi, ramasse ton truc. Je suis votre chef. Non, enfin, bref. Ceci était de l'approvisionnement. Veuillez ne pas comprendre que c'est du premier degré, mais c'est du second degré. Oh, les toilettes! Je vais aller aux toilettes. Monsieur, pourquoi les toilettes sont fermées? Normalement, ils sont ouverts. Ils sont ouverts, les toilettes, normalement. C'est quoi, ça? On n'a pas le droit d'aller aux toilettes quand on veut. Mais c'est une démocratie, ici. Oula, non, c'est pas ici. Attendez. Ah, en fait, il fallait pas, fallait aller ici. Je sais pas. Bon, je monte. Hein. Mais quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses? La meilleure science compagnie. Aperture Science. Bon, ça, on a vu. Waouh, tu vois ça dans... Ok.
C'est très bizarre. Imagine. Ah bah ok, imagine, ok. J'ai imaginé. C'est très bien. Bon, je vous propose qu'on va s'arrêter ici, hein. Bon, bah je vous dis à la prochaine et à de prochaines vidéos. Ah, ciao, ciao.